Alors, pourquoi je fais ce métier? Je ne saurais pas faire autrement. Je pense que historiquement, dans la famille, donc déjà, je pense que j'ai été élevée, éduquée, c'est en rapport avec ma culture familiale, personnelle, on est tous dans le social ou le médical. Voilà. Et, enfin, tous, plus ou moins, mais en tout cas, c'est. Je pense qu'il y a une culture familiale. Alors, certainement historiquement religieuse, tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas que ça. Voilà, moi, je ne me sens pas du tout collée à la religion, mais d'être attentif à l'autre. On ne sait pas dans la famille, je ne pense pas, ne pas être attentif à l'autre. En tout cas, ça fait partie d'un schéma d'éducation. Et donc, on ne passe pas à côté de l'autre. Sans... voilà, donc je ne sais pas. Ça doit être ça. Ensuite, ça me plaît bien. Je préfère me regarder comme ça, avec, c'est cohérent avec ce que je suis. Et moi, je me sens bien comme ça. Je ne pourrais pas vivre autrement, tout simplement. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà, ça va. Et puis, je veux dire, comment dire. Je pense, honnêtement, je ne pense pas que c'est une attitude que altruiste. Hein. Je pense que c'est très égoïste aussi. Hein. On est d'accord, ce que je fais. Je m'y sens bien, donc je me fais du bien. Hein. Je ne rêve pas, je ne suis pas en train de penser. Voilà. C'est pas charitable, quoi. C'est une attitude de charité. Non, autant vers, si, ou alors autant vers moi-même qu'en vers les autres. Quoi. Et voilà, je me fais du bien. Hein. Voilà, franchement. Et puis le regard des autres quand on fait du bien, c'est tellement agréable aussi, franchement. Hein. Voilà.